Les cotes ne se trompent jamais C'est le football qui les contredit Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro Du Winamax Football Club Ambiance bleue, ambiance rouge Le Winamax FC tradit, revient Et oui parce qu'on n'abandonne pas notre football Européen en pleine période de Mercato En plus on a un week-end de championnat Européen qui est inexistant On va se régaler Donc habillage bleu, rouge Pour ce nouveau Winamax FC Il a retrouvé le chemin des studios. Défilé. Comment dire L'Américain. L'Américain, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le, le Big Sam mm. du Vietnam XFC. Ouais. Yannis Yami. Yes, yes, sir. How, How are you? you, man I'm fine, man. I'm great to see you. I'm great, man. Come Calvin on. Calvin Klein, you know. Yeah, Calvin Klein. Ouais, pour information... Je suis. I don't understand. American. I, stayed, I stayed. seated during the national anthem of USA. You know. Yeah, yeah. Because of Vietnam. You know. I don't <laughs> like. Did, I didn't like this. Comment ça va, Yanis? Ça va très très bien. as passé un bon séjour? Ouais, très très bon séjour. Ah, ah, Rappelez pour ceux qui. Beau séjour. Ouais, beau séjour. chilien. Hey. C'est hey, pas mal. Hey, est pas mal. Est mais ouais. euh, voilà, une semaine. Euh, de folie. De folie, ouais, ouais. Dans ouais. l'Ouest américain, ouais, combat du ouais, FC. J'ai découvert le Nord avant, avant que tu puisses découvrir le Sud, bientôt. C'est pas faux. Ouais. Inch'Allah. <laughs> Pourvu que le contentif se passe bien. Ouais, <laughs> <ça>, c'est <laughs> ouais. vrai que c'est important. Ouais. Parce que même moi, j'ai dû y passer. Hein. On, ouais. est, euh, on va rester suspendu à euh, ce verdict. Et euh, alors, tu as fait beaucoup de choses dans, dans ce Dans séjour. ta vie. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué moi aussi. Outre le fait que tu t'es fait trimballer par un genre de basket ça, ça ça, ça sur le goudron, ah, et en plus, métier, il était en ça. sac à dos. Enfin, il avait une valise sur le dos quand même. Là. Ah, moi aussi, mais ça, c'était le métier. Oui, Après, le gain avec quand trois Moi, moi j'aimerais juste que tu m'expliques ta rencontre avec Manu Ferrara. <laughs> Bah écoute c'est le Icone, hasard des Icone choses... Icone du X français. Sa... Ah, du... C'est quoi Ah ouais ah, je... Bon moi je le connais de Twitch mais euh, en fait c'était... <laughs> ah c'est pas un joueur de Croton Il s'avère qu'on des... est des... C'est pas <laughs> un joueur de League of Legends. Ah mais c'est pas... Et il joue pas à solo C'était pas le piston de l'OM dans les années 2000 là, Ferra. le Ferra mec... <laughs> Non mais bah, j'étais sur des places euh, comme ouais. dirait l'autre de Vietnam. De... De de vieille vi et... financier par hasard. Es... Ah, je suis là. Et du coup bah, il s'avère qu'il était juste devant nous, très sympathique. Ouais Moi je le connaissais, il a fait des émissions avec Belverdi tu vois. Oui. <laughs> Vergès ouais, bon bon, En tout cas, merci de nous avoir fait vivre ce moment par des stories. Avec plaisir. Ouais. C'est un, un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Face à toi, il revient tout droit ouais. du métro 8. C'est ça, exactement. Najib Médini. Ça va, Ouais, super. J'ai fait un petit séjour au Bervigny Blanc-Ménil. J'aime bien ce, cette, ce bien. petit style de guide safari. C'est un peu ça, ouais. peux le mettre dans le thème. Il te manque qu un chapeau. En fait, non, finalement. Il te manque un chapeau avec la ficelle qui... Est... <laughs> qui, qui redescend. Comment ça va, Nagim ça va super, ça va super. Ouais. Petit vendredi. Casting inédit, j'ai l'impression là. Casting inédit, je crois. Ça jamais, inédit. Ce featuring, il s'est jamais fait. Sur un WFC, non sur un club D5, c'est déjà fait. Sur un club b 5 c'est déjà fait. Devant une bonne côte de bœuf, ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait. resto italien. Exactement. Devant un bon film de Manifarara, ça c'est déjà fait. En train de faire du ski alpin. T'imagines la soirée bizarre. Bien glauque. Comment ça, bizarre On fait ça après. Ça va, tout va bien, la France Super, super. Et toi, comment ça va On te le dit jamais. Merci, imagine. On ne le dit jamais. Jamais. Tu lui, il ne m'a pas dit. Il ne t'a pas posé la question. Il était très centré sur lui, aux États-Unis. Je suis égocentré. Par contre. Là, je suis curé. <laughs> bah, ça va très bien. Ça va super bon, bon, journée classique, hein, taf. Euh... Trop oh, au boulot, dodo. Tu fais un brunch à la maison. Oh. J'ai refait un guac, oui. J'ai toujours pas goûté. Ça hein. fait longtemps que je... Mais c'est facile à faire, tu peux te le faire. Ouais, mais je... moi, je veux l'original. L'original, c'est toi. C'est toi qui l'as créé, non C'est vrai, c'est vrai. <laughs> ouais, vrai, 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 vrai. Mais euh, ça va, merci beaucoup, Daj. Bon, bah, ça va, Merci beaucoup, Salut à tous les copains qui nous euh, regardent, évidemment, euh, qui nous rejoignent sur ce euh, Winamax euh, FC spécial Mercato. On va regarder le sommaire de, du Winamax FC euh, du jour. On va revenir sur euh, journée euh, agitée côté Olympique Lyonnais. Enfin, un petit moment. Voilà Bruno Guimarèche qui va faire euh, ses euh, valises. On va s'interroger sur le pourquoi du comment de ce euh, transfert. Bon, belle enveloppe quand même. Un peu plus de 50 millions d'euros si Newcastle se, se maintient. Donc c'est quand même une, une belle affaire sur le papier pour, euh, pour Lyon. On va aller un peu plus dans la précision sur ce euh, transfert. Ensuite, en deuxième partie, on s'intéressera à la rumeur FEV, qui n'en est plus vraiment une, ça, va, ça devrait se concrétiser dans les heures ou les jours à, à venir. On parle beaucoup aussi, une heure avant l'émission, une information de Fabrizio Romano, confirmée par l'équipe, comme quoi Giovanni Lo Celso serait la priorité de Lyon pour remplacer Bruno Guimaraes. On en glissera peut-être un mot. Ensuite, en deuxième partie, on fera les coups du un mot. C'est un peu la tradition d'un Winamax FC en période de, euh, de transfert. On viendra sur plusieurs, plusieurs coups du jour ou de, ou de la veille avec Adama Traoré notamment, avec Ndombele. On reviendra un peu sur, sur tout ça. Et on fera un petit quiz les Brésiliens de l'Olympique Lyonnais, qui mettra au feu deux suiveurs lyonnais. Plateau euh, très, très quenelle. C'est ça. On a, on a fait tomber Walid il n'y a, a pas longtemps. Voilà, connaît, c'est vrai. Ouais, 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 bah, Et bien, bien, bien sûr, bien sûr. C'est la quenelle, c'est pas que du donné, c'est à la base un plat. Ah, je sais suis même pas qu'il y ait du donné, donc je ne sais pas trop quoi tu parles. <laughs> Moi j'aime en plus j'aime j'aime beaucoup les <laughs> les connais. C'est que j'ai peur. Voilà. Salut à tous, Yaki, Gilo H, Yassine, Amrani, Yagel, 10, le club Sportix, Génépi 3000, Kindi, Yola Team. Merci de nous rejoindre petit à petit. Sur ce live, vous connaissez la formule, c'est de mettre un maximum de force, un maximum de likes à tous ceux qui sont déjà avec nous, de faire dépasser les 100 likes en direct. Il y en a déjà 24, donc c'est déjà très bien. On envoie un maximum de force. Ça permet à l'émission d'être mieux référencée. Sur YouTube, sur Internet, que l'émission soit vue par le plus de personnes possible, susceptibles d'apprécier nos contenus. On n'en doute pas sur le fait qu'ils aiment nos, euh, nos émissions. Donc voilà, donnez un maximum de force. On vous remercie. C'est votre petite euh, récompense du jour. Voilà, Zeph qui lance le débat sur, euh, sur Guimarèche, qui parle de remplir les caisses. Bon, on va parler tout de suite de euh, Bruno Guimaraes qui quitte l'Olympique lyonnais dans la causerie. Et Génépi qui nous fait part de sa tristesse. Je suis absolument dévasté par ce départ de Bruno. S'il si y en a bien, que j'aurais retenu dans l'effectif, ça aurait été lui. Bruno Guimarèche, donc, qui devrait rejoindre les Toons de Newcastle et McPies avec Santiago Muniz et Gabinaris. Donc, direction le nord de l'Angleterre pour Guimarèche. Alors, c'est 40. 8, 42, c'est combien le. 42 plus 8. c'est plus 8. Ouais. Plus 8 ouais. 58. 8, si Newcastle se maintient. 8 facilement atteignable en théorie, même si Newcastle n'est pas, pas sorti de, ouais. de l'affaire encore. C'est quand même con non, pour Guimarães. <laughs> Il a dû mettre une clause dans le contrat s'il descend. Ouais. Parce que les chocs contre Birmingham. North, un North, North County. C'est peut-être ça, ouais. ouais peut c'est peut-être son avenir. Ouais, ouais bah c'est peut-être <laughs> son niveau. L'Angleterre <laughs> Donc, on va revenir sur, euh, sur ce transfert. Le départ de Guimarães qui se. Euh, qui se euh, précise on va vous poser euh, une question les amis avec la somme que vient d'évoquer et de nous confirmer notre insider Yanis Yemi 42 millions plus 8 millions de bonus est-ce que ce transfert était tout simplement irrefusable pour l'Olympique Lyonnais Yanis je te donne la, la parole est-ce que Lyon, Lyon était obligé de le vendre ou voilà, a tout fait pour le vendre il y a peut-être une nuance bah, tout fait pour le vendre c'est sûr mmh. à partir du moment où il y a eu le premier contact et les premières sommes à partir évoquées. du moment où c'est le meilleur joueur de l'équipe voilà, exactement. À partir du moment où c'est Junio qui l'a ramené, on s'est dit, là, lui, c'est... Il dégage. est fort, il va nous faire gagner des matchs, ouais. on le vend. Pas quelqu'un cet été, pareil. <laughs> Mais euh, l'urgence, euh, du coup, la, la question se pose au niveau économique, si on parle d'urgence, évidemment que la situation économique du club, dans une telle, un tel contexte de crise Covid qu'on connaît, très beau sur ce plateau, sur ce plateau, parce qu'avant c'était moyen, et là c'est ce ouais, est moyen. <laughs> et, euh, et, et évidemment qu'avec ce contexte, on sait que l'OL est dans des difficultés économiques, d'autant plus que ça fait deux saisons que l'OL n'a pas connu la Champions League, que vu comme c'est parti, ça va faire une troisième saison sans Champions League. Donc évidemment qu'il y a une donnée économique euh, très compliquée à l'OL, mais il y a aussi on, sur un aspect économique, en général des dates butoirs de bilan, ou de bilan à rendre, qui sont de 30 juin. C'est-à-dire que l'urgence... Euh, techniquement elle n'est pas là sur le mois de janvier il n'y a aucune, aucun compte à rendre en fin janvier l'urgence elle est à la fin de l'année la fin de l'année la comptable d'avoir un bon bilan comptable ou d'avoir un bilan comptable moins catastrophique donc on va dire que techniquement l'OL aurait pu miser sur cette saison attendre encore et, et espérer une remontée au classement en gardant ce qui est son meilleur joueur pour moi en tout cas sur la régularité de l'anticipation la aussi du fait de ne pas rentrer dans les clous euh, en termes de classement euh. Mais ça peut être, justement ça peut être une chose de se dire on est largué au niveau classement, on n'y croit plus même si pour moi, vu les écarts avec les places européennes, peut-être pas le podium, mais les places européennes ne sont pas si énormes au final, on l'a vu avec deux petites victoires de suite, et de se dire, bah, Bruno Guimaraes, c'est un joueur de haut standing, euh, quoi qu'il arrive, en tout cas pour moi, il y, aura, il y aura ou il y aurait eu des offres en juin. Avec peut-être une deadline qui fait que tu es moins en position de force, mais il y aurait eu des offres en juin. C'est surtout que l'OL est dans une et ses dirigeants donc Jean-Michel Aulas en premier lieu et Vincent Ponceau, sont dans une donnée dans une philosophie où la, la, la fiabilité économique et la rationalité c'est ça le terme la rationalité économique prime s'il y a une offre qui considère au-dessus du marché dans une situation économique difficile quel que soit le moment même si ça peut heurter l'équipe sportivement et salé ça va heurter l'équipe sportivement grandement le joueur est vendu. Voilà, c'est une rationalité économique à laquelle répond le club, puisque le club est aujourd'hui plus dans un projet, euh, le projet sportif n'est pas en premier lieu, on va dire. Donc la, la rationalité économique prend le pas. Guimarães à Newcastle, est-ce que ce transfert est irrefusable selon vous pour, euh, pour Lyon Vous répondez oui ou vous répondez non Pour le moment, c'est le oui qui, euh, qui l'emporte. Il y a un joli message de Walid Ayari. Salut les gars, j'ai mis mon like et j'écouterai le podcast demain, vous êtes au top. Merci d'être comme ça, merci beaucoup. Euh, mon, mon ami, on va juste mettre une petite stat avant de te donner la parole, Najim. Bah ce, ce coup, c'est la troisième meilleure vente de Guimarch. Alors j'ai mis, j'ai pas mis le prix de guimage On va peut-être attendre. Il peut bouger d'ici l'officiel. Ça, de ça, ça devrait être, être 50. Ça devrait être 50. Donc il prendrait la troisième place détenue par Ferland Mendy, Ndombélé 60 et Lacazette 53. Il est devant Ferland Mendy et Tolisso. Donc ça fait partie de ces belles ventes. Lyon sait vendre, mais c'est pas forcément un gage de succès sur ces euh, dernières euh, saisons. Najim, voilà quel est ton sentiment, Najim, sur, euh, sur ce transfert, le fait que Guimarch quitte Lyon et juste après on mettra la cote. Euh, Podium, est-ce que ça peut être aussi un frein pour les ambitions sportives qu'évoquait euh, bah, Yanis Pour aller dans la continuité un petit peu de ce que disait Yanis, tu as une grosse offre, 42 millions plus 8 millions d'euros de bonus, c'est une offre que, qui est difficilement Avec refusable. Quasiment 10 millions pour euh, l'Atlético Paranaense. C'est ça, bon. Club, euh... En tout cas, c'est une offre qui est difficilement refusable en sachant que l'Olympique lyonnais est quand même face à des difficultés financières depuis au moins une ou deux saisons, en tout cas ils font des déficits, ils ne se qualifient pas pour la, la Ligue des Champions, on sait qu'il y a, y, a, y, a y a un besoin financier. Maintenant, ça pose question aussi sur plusieurs choses. Déjà, déjà, la première chose, mais on va évoquer le sujet, c'est que tu as clairement la sensation que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu et qu'en termes de remplacement, aujourd'hui l'Olympique Lyonnais se pose la question et on sent quand même qu'ils sont dans le flou. Tu entends pas mal de rumeurs et donc tu sens réellement que comment remplacer Bruno Guimarèche à 5-6 jours de la fin du mercato, c'est quelque chose que les dirigeants n'avaient pas, pas réfléchi. Donc, ça, c'est la première chose qui me dérange un peu. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en termes de vision de club, as vraiment la sensation que l'Olympique Lyonnais a un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que ils ont financièrement une vision qui pourrait limite se rapprocher un petit peu de d'une vision de trading, un petit peu comme ce que fait Monaco, c'est-à-dire on va essayer d'acheter des joueurs 15-20 millions et essayer de les revendre beaucoup plus cher, à l'image de ce qu'ils ont fait avec Bruno Guimareche. En tout cas, on a la sensation parce que Yannis se met tout nu quand même. Ouais, ce que je vois, ce que je vois, ça m'a un petit peu gêné. Je vends mon t-shirt, c'est ça. En tout cas, on voit que c'est la direction que prend l'Olympique lyonnais en termes de stratégie sur le, le, le mercato des transferts. Mais d'un autre côté, sur le plan sportif, on a la sensation qu'ils sont sur une vision sportive complètement différente, avec un entraîneur étranger qui prône euh, une certaine façon de jouer, Peter Bosch qui est arrivé, qui voilà, qui... Euh, on a la sensation que, sur le, que sur, le, sur le volet sportif, c'est un plan plus basé sur du long terme, ou en tout cas, Peter Bosch, on verra s'il va faire long feu ou pas, mais quand tu le recrutes normalement c'est une méthode qui devrait prendre du temps et donc normalement c'est un projet sportif qui, devait, qui devrait prendre du temps et puis d'un autre côté sur le plan financier tu as plus la sensation qu'on est sur une, sur une logique plus court-termiste et donc ce qui fait que ça amène un certain décalage en termes de, de vision quoi. moi c'est -ce ça, euh, ça ma grosse interrogation est-ce que c'est l'illustration Yanis de ce qui est devenu l'Olympique de l'année euh, aujourd'hui se séparer de l'un de tes trois meilleurs joueurs certes avec un gros chèque hein, qu'on peut <coughs> légitimement complètement comprendre mais est-ce que ça, voilà, ça symbolise un peu euh, ce, qu est, ce qui est devenu ou ce qui est en train de devenir l'Olympique Lyonnais. Oui. Dans, dans, dans l'avancée de son projet. Oui, on va, on va pas faire dans, dans le détail. Oui, oui, très clairement. Et, et c'est l'illustration parfaite, c'est le fait que et c'est pas Bruno Guimareche, c'est un exemple, mais il y en a eu d'autres avant. Aujourd'hui, à l'OL, euh, on va recruter. On peut recruter ou avoir, en tout cas que ce soit recruté ou formé, des joueurs de très grande qualité au niveau individuel, au niveau technique. Mais au final, ces joueurs, quand tu fais le bilan de leur passage à l'OL, Guimaraes, il est venu il y a deux ans, donc ça fait deux ans qu'il est là. On a tout ça. de suite vu que ça allait être une grosse qualité. Tout le monde était enthousiaste à l'idée, en tant que supporter, à l'idée de l'avoir au club. Au final, Guimaraes, sur deux ans, c'est de la brillance individuelle, du talent. Mais dénué d'un projet collectif, dénué d'un projet d'équipe, ce qui fait qu'il a passé deux ans au sein d'un club où il n'aura au final pas vécu d'aventure particulière, pas gagné, d'aventure collective, j'entends, pas vécu d'aventure collective particulière, pas gagné spécialement quelque chose de particulier. Il n'y a pas eu forcément de, 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 de moments forts, moments clés, même s'il y a eu ce final 8 quand même, où il y a eu une demi-finale tout de même, mais, euh, mais dans des conditions très particulières. Donc c'est à l'image du projet de l'OL où le projet sportif passe au second plan, où c'est le fait, l'objectif c'est avoir des joueurs qui se revendent cher, des joueurs de qualité qui se revendent cher faire du trading et se qualifier pour les Coupes d'Europe. Voilà, c'est l'objectif. Donc, encore un joueur pour lequel, au final, en tant, que, en tant que supporter, si tu es supporter, en termes d'émotion, en termes d'attachement, en termes d'aventure vécue avec le joueur, tu n'as pas grand-chose à en retirer au final. Tu as vu de, de très beaux matchs de ce joueur, tu as pu t'enflammer sur ce joueur, mais le projet collectif à côté était faible, le projet de club, au final, autour de lui était faible, et ça a été le cas avant. La, sûr, case, mais... la Casette n'a pas gagné. Il a gagné Coupe de France en 2012 en étant jeune mais il n'a pas gagné un titre avec l'OL. Memphis est parti libre l'été dernier, il n'a rien gagné avec l'OL, il n'y a pas eu d'aventure particulière. Donc, ce sont des choses qui... Répète aujourd'hui au sein d'un club pour lequel le projet sportif pour ses joueurs et pour les supporters au final est maigre vis-à-vis -vis de ça. Moi, une nouvelle fois, ce qui m'attriste, c'est pas la vente de Bruno Guimarèche en elle-même parce qu'elle elle, s'explique. On l'a expliqué, Lola a des difficultés financières et donc forcément, quand tu as une offre de 42 millions d'euros, voire 50 millions d'euros qui arrive sur la table, ça peut se comprendre qu'elle soit acceptée. Sauf qu'aujourd'hui, une nouvelle fois, j'insiste sur le fait qu'en termes de vision, là tu, 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 tu nous dresses un bilan, euh, Yanis, mais j'ai la sensation qu'il n'est pas assumé par le club. Ou en tout cas, lorsque les dirigeants arrivent devant les médias, as pas, tu n'as pas ce discours qui permet véritablement de clarifier les choses. C'est-à-dire que Monaco, on sait depuis plusieurs années qu'ils sont dans une, dans une politique de, de, de trading. Tout le monde le sait. Et donc, tout le monde sait qu'en termes de résultats sportifs, parfois il va y avoir des hauts, parfois il va y avoir des bas. Tu sais que le GC Nice, il y a un mécène derrière. Tu sais qu'il y a un nouveau projet depuis quelques saisons. Sauf que l'Olympique lyonnais, une fois, tu as un son de cloche. Et puis, quelques temps après, tu as un son de cloche un peu différent. Il y a deux ans, quand Juninho il arrive... On parle de nouvelle ère. On dit, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à l'Olympique lyonnais. Tu as un nouveau, un nouveau directeur sportif qui arrive, dans un rôle en plus qui avait été rarement occupé, voire jamais occupé à l'Olympique lyonnais. Lorsque Peter Bosch arrive, pareil, on dit, ah tiens, c'est la continuité d'une nouvelle ère. Tu as un nouveau coach étranger, chose qui n'avait jamais été fait à l'Olympique lyonnais. Finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'avec la vente de Bruno Guimaraes, il y a eu Sylvineau ouais, entre-temps, effectivement, mais aujourd'hui, avec la vente de, de Bruno Guimaraes, eh ben, ça remet tout en question. Tu te dis euh, est-ce qu'on était vraiment dans une nouvelle ère avec cette volonté véritablement de s'installer sur le podium ou alors en réalité l'objectif c'était plus de faire discours du discours d'aller chercher un peu d'aller essayer de fricoter Paris quoi d'aller ouais, les chatouiller c'est ça qui a été a rapidement la... est oh, la... aujourd'hui moi c'est là-dessous je suis déçu il y a la communication il y a ce que tu mets en place pour mettre en œuvre les choses la communication elle est faite pour plaire aux supporters pour montrer aux supporters les muscles les montrer que tu es ambitieux et donc amener bah, des abonnements les places etc t es obligé vis-à-vis des supporters si tu es brutal si Jean-Michel Aulas c'est brutalement honnête vis-à-vis -vis des supporters et des médiatiques euh, ça va gronder. Donc, tu es obligé de le faire. Et à côté de ça, il y a ce que tu mets en œuvre. L'exemple de Monaco qui fait du trading, il est bon parce que Monaco fait du trading, mais Monaco, à côté de ça, fait ce que j'appelle investit dans ce que j'appelle euh, de la recherche, on va dire de la recherche et développement. C'est-à-dire que Monaco fait du trading, mais Monaco investit beaucoup dans le sportif. C'est-à-dire que Monaco a une cellule sportive forte, a une cellule de recrutement, a un directeur sportif qui a des pouvoirs et qui a une réputation, euh, Paul Michel. Donc, Monaco investit dans le sportif pour avoir de bons joueurs et pour avoir quand même un projet sportif collectif, même si on sait que derrière, ils vont faire du trading, ils vont revendre. Mais à côté de ça, ils investissent dans le sportif, ils ont une idée du football, ils, ils vont chercher des entraîneurs quand ça ne va plus, ils vont chercher des entraîneurs qui leur concernent, ils ont un projet collectif, un projet sportif, ils investissent dans le sportif. L'OL, c'est tout l'inverse. Dans, dans ce qu'on appelle le recherche et développement, il n'y a pas d'investissement dans le recrutement, dans le projet sportif. C'est euh, très, très. Euh, c'est au petit matin, c'est géré. En fait, le, les financiers gèrent le foot. Donc, le, on, on voit où la priorité est par rapport à, club, par, par à d'autres clubs comme Monaco ou les, les clubs comme Red Bull, ce genre de choses. Guimarache à Newcastle est-ce que c'est un transfert Il refuse à vous continuez à répondre. Vous tapez oui ou vous tapez non sur les différents chats. Pour le moment, c'est le oui à 65%. Alors, sportivement, qu'est-ce que ça a représenté Guimarech, cette saison On va regarder une petite, une petite stat. C'était sorti par Opta il y a quelques heures, un jour. Euh, c'est le numéro 1 dans les pas d'un 30 derniers mètres. Numéro 1 dans les nombres de fautes obtenues. Il a créé 33 passes dans le dernière, dernière passe pardon, avant un tir. Le quatrième joueur qui a gagné le plus de duels. Est-ce qu'on va vous afficher la cote maintenant de Lyon qui termine sur le podium Najim, est-ce que ça peut être un vrai frein sportif, cette vente Est-ce que, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait d'être entre deux eaux, est-ce qu'on attend, on temporise un petit peu Parce qu'on peut imaginer quand même que Guimaraes, cet été, tu peux le vendre aussi pour un bon paquet ouais. d'argent. Est-ce que là, tu fais une croix sur ta saison Est-ce que tu dis, bon, bah, là, la saison, on la prend, voilà, les six prochains mois, on les jette alors qu'il y a de la Coupe d'Europe, bien sûr. Il y a un beau parcours à la Coupe d'Europe à, à s'offrir parce que Lyon est directement qualifié en, en 8 de, de Ligue Europa. Le podium, tu l'as dit Yannis tout à l'heure, n'est pas si loin que ça. Côte à 4,50. Déjà, est-ce que tu comprends cette cote à 4,50 Ils sont quand même troisième. ils sont derrière Marseille et derrière Nice. Sinon, après, c'est Lyon qui arrive pour, pour être euh, favot à terminer sur le, sur le podium. Voilà. Est-ce que là, l'avant de Guimarrache, tu mets euh, pas une croix entière, mais au moins une demi-croix sur, euh, sur la saison Je ne mets pas une croix entière dans le sens où on a quand même la sensation que l'Olympique lyonnais veut le remplacer et en plus essayer de rajouter une recrue supplémentaire avec Romain Fèvre, on va en parler. Donc, Et peut-être 16 de... Voilà, donc mine de rien, le il n'arriverait même... pas en tant que remplaçant de Guy C'est exactement. Euh, un bonus avec euh, le Pactol. C'est ça. Donc finalement, quand même, peut y avoir deux recrues qui pourraient arriver. Euh, donc on sent quand même qu'il y a la sensation de, du côté de l'Olympique lyonnais de, de vouloir quand même essayer sportivement d'aller chercher le podium. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant quand tu perds Bruno Guimarèche qui était là depuis deux ans, qui connaissait bien l'équipe, qui était un maillon essentiel, parce que voilà, il pouvait à la fois jouer numéro 6 euh, quand, si l'équipe joue en 4-3-3, c'était un joueur qui était capable de jouer dans le double pivot quand l'Olympique Lyonnais joue avec son système à trois défenseurs, comme c'est le cas ces dernières semaines. Donc c'était vraiment un joueur assez polyvalent qui était capable à la fois d'avoir un gros volume de jeu, de pouvoir également apporter de la verticalité par sa passe. Donc c'est quand même un profil qui est difficile à rechercher. Et, et, et on, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des potentiels remplaçants, etc. Mais, c'est difficile de retrouver rapidement un profil qui ressemble à celui de Bruno Guimaraes parce que c'est un joueur assez complet. Donc sportivement, ça va être très difficile de le remplacer. Je ne pense pas que l'Olympique Lyonnais met une croix réellement sur sa Enfin, si l'Olympique Lyonnais met, met une croix sur sa saison, ils l'ont mis dès le début de saison. En fait, ils ne l'ont pas, pas mis sur le mercato d'hiver. S'ils ont mis une croix sur leur saison, ils l'ont mis dès le départ. Quand ils ont recruté shakiri. alors tout le monde savait que shakiri était une mauvaise recrue. Quand ils sont allés chercher des da Silva, des joueurs qui, on savait très bien dès le départ qu'ils n'allaient pas forcément apporter... Euh, un, une plus value qualitative, qualitative pardon à l'équipe donc pour moi une nouvelle fois je le répète s'il y a une croix à mettre sur la saison de l'Olympique Lyonnais c'est pas sur cet événement là c'est pas sur ce mercato hivernal c'est fait déjà depuis cet été avec des erreurs qui ont été faites réellement sur les six derniers mois quoi. Okay. vous continuez à nous mettre des likes les amis c'est important de mettre un maximum de pouces on essaye d'aller chercher les 100 likes avant la fin de l'émission tous ceux qui sont sur sur le live on salue tous ceux qui nous rejoignent petit à petit mais voilà c'est très important de mettre un maximum de likes un maximum de pouces bleus et donner de la force au Winamax FC on envoie, j'ai le compteur sous les yeux, on essaye d'aller chercher les 100 pouces avant la fin de l'émission. Merci pour votre euh, soutien. Yanis, 4,50 la cote de euh, Lyon pour terminer sur le podium. Elle grandit euh, petit à petit euh, cette euh, cote. Cette Est-ce que c'est pourtant un vrai frein sportif la, la vente de Guimaraes, le départ de ou où, où Lyon peut composer euh, 100 pour aller chercher le podium. Tout dépendra du remplaçant également. Hein. Ouais, Il évoluer. Évidemment, mais, mais c'est évident. Euh, déjà que l'Olympique Lyonnais se portait très mal, euh, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, parce que Guimarrech, en dehors du terrain, c'est un, les, les de euh, un des joueurs les plus pros de l'effectif. C'est un des joueurs les plus pros, c'est un des joueurs qui amène le plus de... Plus de, que Cherky de... <laughs> C'est un joueur qui amène beaucoup de caractère et de, et de, et de positivité dans le vestiaire parce que c'est quelqu'un qui, qui est très professionnel et, qui, et qui, qui maintenait un peu, ou qui, en tout cas, dans l'état d'esprit dans, dans le vestiaire, maintenait un peu à flot cette équipe qui tangue énormément. Et sur le terrain, après, ça, c'est que mon avis. Pour moi, c'est le joueur de champ le plus performant et le plus régulier de la saison. C'est vraiment, vraiment un patron. Et dans, aussi, ouais. et, dans, et dans la saison morose de l'OL, a, a très, très, j'ai très rarement eu à faire de reproches sur les matchs de Guimarães qui. Qui, et et, et j'espère pour lui, il le montrera à Newcastle et ensuite plus, plus loin dans sa carrière, qui pour moi est un milieu de terrain qui a tous les outils pour être un top milieu de terrain européen parce qu'il a vraiment des outils athlétiques, techniques, de maturité, euh, de, de, de vision de jeu qui sont, qui sont vraiment d'un très très haut niveau. Et il ne faut pas oublier que quand l'OL va le chercher, l'OL va l'arracher à l'Atlético Madrid, pardon, et que c'est un très très gros prospect que va chercher Juninho. C'est un très très gros coup que va faire l'OL. Et, et, et à partir de là, euh, ce joueur qui a réussi à prendre les clés de l'équipe, c'est un désaveu. Que, en plus, qui était attaché au, au club et, et à la ville, c'est un désaveu de le lâcher maintenant. Et c'est surtout pour, pour, pour Peter Boss une catastrophe parce Après. que c'est la rampe de lancement de son milieu, de son idée de jeu. Donc, très, très, très sincèrement, dans cette équipe déjà fragile, lui enlever ce joueur, quelle que soit l'arrivée de Fèves qui peut apporter de la percussion ou d'un autre joueur qui va apporter une patte technique, tu enlèves le, le taulier du milieu. Donc, c'est une catastrophe pour une équipe qui était déjà en, en déliquescence. C'est que, que, on le voit à l'image, trois passes décisives, Bruno Guimarache cette oui, C'est un 6. Ouais, 20 matchs. Euh... Euh, cette saison 33 occasions euh, créées. Najim, tu voulais dire quelque chose Oui, ce que je voulais dire, c'est que, une nouvelle fois, oui, le départ de Bruno Guimaraes, ça ajoute du feu à l'incendie, mais j'insiste sur le fait que le, le, le départ de Memphis Depay, qui n'a pas été remplacé, le départ de Juninho avec euh, tout le, le changement d'organigramme que ça a ramené, pour moi, ce sont des décisions beaucoup plus catastrophiques que celles devant de vendre Bruno Guimaraes. C'est Pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que les erreurs, les grosses erreurs qui font en sorte que l'Olympique Lyonnais est actuellement 11e du championnat et très mal embarqué pour atteindre le podium, elles ont surtout été faites avant. Alors aujourd'hui, on est là surtout pour parler du départ de Bruno Guimaraes, mais je pense qu'il faut pas oublier toutes les erreurs qui ont été faites ces derniers mois et qui amènent réellement à cette situation. Ça fait le mois de juin que l'OL doit remplacer Memphis Depay comme tu l'as dit et ça. a ciblé Azmoun depuis le mois de juin, de janvier a autour au final a <laughs> signé Et en plus donc, tu prends, prend tout, plus, tu euh, prends euh, pas euh, d'argent sur le transfert euh, de Memphis Depay donc euh, franchement bah oui, oui, ce qui s'est passé et avec, avec en plus ce qui s'est passé sur Juninho, c'est. D'ailleurs, sur des match. Moi, je suis. Évidemment, Lucas a un gros projet. Je, je suis surpris que. Personne... On, en parle, on va ah. parler dans un deuxième temps de, du choix de. Enfin, pas du choix de Guimara, parce que peut-être qu'il était contraint aussi de. Écoute, moi, j'ai une partir. question. J'ai une question à Yanis, qui ouais. connaît tu sais, qui connaît un petit peu les coulisses, etc. De ce qui se passe à Lyon. Connais connaît Farah aussi. Ouais, exactement. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que <laughs> j'ai appris. Que... Tu vois. Ouais, vrai, je, je pense qu'il qu connaît pourra, qui tire les, on ficelles, les... les Tu vois, quand on pourra personnaliser nos, nos pupites, ouais. ça sera son blase. Ah, je pense aussi. Je pense que ça lui, ça lui correspondrait ah, bien. Ah, disais pas. Je pense. <laughs> non mais on parle beaucoup de Vincent Ponce, Ponceau, de Jean-Michel Olas. C'est quoi le rôle aujourd'hui de Chérou que je... Directeur du recrutement. En gros, il, 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 il est, est en charge d'observer les matchs. Est-ce de... peut également le pointer du doigt Sur la non-réussite de l'OL, non, parce qu'il n'avait pas de responsabilité avant. C'est-à-dire que Bruno Chirou, quand il arrive, il est, il est recruté déjà à la base comme directeur du recrutement des garçons, avec de mauvais échos venant de son travail au PSG, mais il est proche de, Chirou, de, de, de Gérard Rouillet, euh, qui l'amène. Euh, au final, ça ne se passe pas du tout bien parce qu'il bah, travaille mal. Il travaille peu, il travaille mal. Donc il y a une réorganisation il est en charge des, des féminines. Il a donné une interview il n'y a pas longtemps qui est catastrophique. Il aime beaucoup s'écouter parler quand il, ah ouais, non, mais mais quand il dit de... euh, pourquoi y aller machin. Ouais, 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 il, est, il est pas très. Enfin bref, il y a des Personne, anecdotes. Il y a des anecdotes très marrantes sur euh, sur les débuts de Shirou et sur la manière dont il, voulait, dont il travaillait mal et, et, et comment Junio était atterré de, 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 de ce qu'il voulait faire. C est, c est... il y a des anecdotes assez marrantes, mais du coup il avait été mis de côté. Et une, une fois que Junio euh, part effectivement, il est remis en tant que à son poste de base, directeur du recrutement, avec toute la latitude euh, pour, pour travailler parce qu'il y a plus de Junio pour le bloquer. Il faut savoir que quand il arrive euh, chez Roux. Par exemple... Euh... Dininho qui est son supérieur hiérarchique, Chérou, travaille sur la piste Mamadou Sakho en défense centrale qui était à Crystal Palace. Dans le dos de nino, sans lui demander son avis, il travaille dans le sens où il avance dans les négociations. Et quand Dininho l'apprend, il met son veto parce qu'il ne veut pas le joueur déjà. Et surtout, c'est scandaleux de le faire dans le dos. Enfin, tu arrives dans un, dans un endroit, tu travailles dans le dos de ton je supérieur hiérarchique directement. Okay. C'est mal vu. Et donc aujourd'hui, il a toute la latitude parce qu'il est seul, donc il doit chapoter la cellule de recrutement qui est composée de quatre personnes. Mmh. Et, et je pense aussi que c'est le, le, le candidat le pantin parfait pour Jean-Michel Aulas et Ponceau dans le sens où il va pas faire de vagues Exactement on lui là. dit, tu n'as que quatre recruteurs. Il lui dit, ça va, ça me suffit. Euh, si tu ne travailles pas énormément, parce que tu as quatre recruteurs, ce n'est pas un problème. Donc, en gros, on va travailler avec les réseaux, on va travailler avec les agents, mais, mais tout tout cas, pas beaucoup observé. Lyon, vu euh, l'idée Lyon, Lyon, donc... Mamadou Sakho, en tout cas, ouais. ça, ça en dit déjà non mais... long sur, sur non, ses compétences. Dans... Guimaraes, ouais. donc, qui va quitter l'Olympique lyonnais. Ça parlait de Romain Fèvre, on en parlera juste après. Mais, euh... alors, est-ce qu'il fallait le remplacer poste pour poste Visiblement, Lyon aurait activé la piste Giovanni locelso Yanis est-ce que c'est une bonne ou une très bonne idée, Giovanni Lo Celso On va vous poser la question aussi, les, les amis. Est-ce que Giovanni locelso c'est une bonne idée pour remplacer euh, Bruno Guimaraes comment, comment tu le sens, ah, ce déjà coup Déjà, un joueur euh, dont Romain Bédouk est fan. Mmh. Ah, c'est même enfin, une très bonne idée. C'est problématique. Ah, c'est un gros moins. Ensuite, euh, sur la qualité du joueur, c'est un bon joueur, honnêtement. C'est un, un profil de 6-8 organisateur. Ça serait un une, une petite terrain. redescente pour lui, quand même. Avec tout le respect que j'ai pour Lyon. Oui. Paris, Tottenham. Oui, mais non. avec un statut plus ouais, important. Il y a séville entre les deux. Il y a eu le et, et surtout avec un statut. Et de et de voilà, de avec de de Il ne joue pas à Tottenham. C'est le qui va à Paris, c'est une redescente de passer de Tottenham. Et, euh, <laughs> et, 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 et Locelso, la valeur technique du joueur, elle est bonne, mais c'est un joueur qui joue plus depuis un an et demi. Euh, c'est un an et demi qui, est, qui est venu à Tottenham. Hein. C'est un joueur qui joue plus depuis un an et demi. Euh, Ce n'est pas un joueur qui a le rythme de Bruno n'est c'est un joueur qui a la capacité athlétique de Bruno Guimarèche. Il est un peu léthargique, je trouve. mais Bruno Guimarèche, à la récupération, c'est un joueur qui avait une grosse capacité athlétique. Donc c'est en dessous déjà de Bruno Guimarèche pour moi. Et en plus, c'est un prêt. C'est-à-dire que c'est encore le club qui ne veut pas vraiment dépenser beaucoup d'argent. C'est un prêt, et un prêt, c'est quelque chose. Ça ne t'engage pas sur le moyen terme. Donc, un prêt, qui plus est, là, c'est sur 4 mois. Hein. Enfin, je veux dire, dans 4 mois, la saison est finie. Un prêt sur 4 mois, le temps d'adaptation et surtout le fait d'avoir un joueur qui soit investi, pour peu que l'OL soit vite euh, lâché dans la course à l'Europe, ce qui est possible. Hein. C'est-à-dire que tu as un joueur qui arrive, qui, est dans un club, qui au final, va plus jouer grand-chose, et toi qui es prêté juste 4 mois. Donc. Sur le fit en termes de possibilités de transfert et de. Et de encore une fois, dans la logique d'un projet équipe, d'un projet club, c'est moyen. Sur le profil clair du joueur, c'est quand même un bon joueur, c'est évident. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans le sens où on a l'impression qu'il y a encore peu de direction, en fait. C'est un joueur qui va venir en prêt. Le potentiel transfert est beaucoup trop élevé pour l'OL. Il il, Tottenham avait dépensé 40 millions, je crois, pour lui. C'est ça, ouais. Donc ils ne vont pas le lâcher à, à, à une somme bien en dessous. Donc on sait qu'il vient juste pour un temps, un temps court. Le projet club, même si le joueur est bon, là encore, moi je suis dubitatif, quoi. Bien sûr. Sur pa pareil, sur le Celso en prêt. Alors ça parle aussi d'Aliès Skiri. Ouais, J'ai vu ça, ouais. Le et de, et... Zorgan, de Charles et, Charles et de organ l'Algérien de. J'ai entendu parler aussi d'Aurel Mangala, le joueur de Stuttgart Ouais, mais ça c'est plus un de Juligno Juligno, pour aussi. le coup et de Mikhaelèsian. Mikhaelèsian. <laughs> <Michael Essien rire> et... Ah d'accord, ok. Il du bien. C'est pas mal. Hein. Même si aujourd'hui. <laughs> non, mais concernant le Celso, moi ce qui me dérange beaucoup, c'est que apparemment la, la piste Romain Fèvre est clairement, et quasiment bouclée. En tout cas, c'est mm. ce qu'on entend. Et aujourd'hui Le aujourd Moïdamacs est en mesure de te le confirmer cette information. D'accord, ok. Merci beaucoup. J'attendais cette officialisation. de me la part que tu avais une petite info sur, sur Lyon? Lyon. Je suis Insider Lyon. Il paraît sur une Je suis sur le dossier Romain Fèvre. D'accord, ok. Oulala. Là là. C'est ouais, qui En fait, c'est juste que je devais caler une interview avec lui. Ah, d'accord. Et le fait qu'il signe à Lyon, ça nous baisse l'interview. Ah, d'accord. Parce que c'est difficile avec Lyon d'avoir. Non, c'est surtout qu'ils sont chez un concurrent. Ah oui, en plus, c'est vrai. Ils sont partenaires avec un concurrent. Dommage. Merci Romain. beaucoup. L'interview aurait, on été, ailleurs, aurait hein. été fantastique. On ira faire une interview ailleurs. Hein. <laughs> non, mais en tout cas, le, le, le fait que Romain Fèvre va très certainement donc, euh, être recruté par l'Olympique lyonnais, tu recrutes Lo Celso, Alors, ce ne sont pas deux profils identiques, mais quand même deux profils assez semblables, c'est-à-dire deux joueurs créateurs, deux organisateurs. Alors, effectivement, Romain Fèvre, lui, joue plus numéro 10 ou côté droit. C'est le cas cette saison avec Brest. Et Locelso, effectivement, joue soit numéro 8, comme ça a été le cas du côté du Bétis, où il jouait aux côtés de Canales, soit il est également capable de jouer numéro 10 euh, juste derrière l'attaquant. Donc aujourd'hui, si tu recrutes Roman Fève et tu rajoutes en plus Giovanni Locelso, sincèrement, je vois mal la, la, la logique sportive. Et si on parle de Locelso comme remplaçant de Guimarèche, moi, en toute sincérité, je pense que c'est pas sur ce genre de profil qu'il faut aller. Il faut aller sur un profil, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui a plutôt cette polyvalence 6-8 plus que 8-10. C'est-à-dire un joueur qui est capable d'avoir un gros volume de jeu, qui peut jouer sur un double pivot. Moi, j'ai du mal à imaginer l'Ocelso jouer double pivot avec Cacret, par exemple. Donc, moi, en toute sincérité, je pas sur ce genre de profil pour remplacer Bruno Guimaresch. Tu as une idée de... Moi, bah, au réel Mangala, moi, je trouvais que c'était pas mal, mais tu me dis que c'est plus une... Bah, en fait, Mangala, il, une... il, il, il était suivi déjà avant par Florian Maurice, donc c'est une arlésienne un peu qui revient. C'est ce que euh... nous dit Thelme Narfa, parce qu'il nous regarde. Mais... Il a mais... fini à Lille, mais il nous regarde quand même. Aurel Mangala, c'est Florian Maurice, c'est pas du Oui, c'est Florian Maurice, en effet, il le suivait, mais là, de ce qu'on m'a dit, là, parce que je me suis renseigné tout à l'heure sur la rumeur qui est sortie aujourd'hui, c'est surtout l'agent qui, en voyant que l'OL cherche un milieu, a refaire ressortir le nom, mais aujourd'hui, c'est pas du tout dans les piles de devant du club. Mais le club l'avait déjà suivi, mais je pense que pour le coup, c'est pas quelque chose de... Tu verrais quoi En termes de profil, j'aimerais beaucoup TJ Savagnier. TJ Savagnier en termes de profil, parce que c'est un joueur qui a jeu long, jeu court, vista technique exceptionnelle, qui travailleur. C'est envisageable. Ah, il joue bas. Il joue bas Ah, mais ben si, si, il travaille. Il, il est capable de jouer. Il est, est travailleur ça. en sachant qu'à côté, oui, oui, tu... qu qu côté, il y a Cacré. Il est travailleur et que Cacré, c'est aussi une dynamo. Ça paraît assez compliqué. Je ne vois, vois pas si ben, Et bah, Vanier, euh... qu a quitté quitter son. Ouais, et surtout, euh, le, évidemment, euh, on l'a vu dans l'équipe, Peter Bosch est fan. Euh, le club euh, l'aime bien aussi, mais le club, même si Savagné euh, pourrait apparemment être intéressé, euh, je te le dis, mais le club n'est pas chaud pour mettre beaucoup d'argent <laughs> sur un joueur de 30 ans. Dans le, profi, dans le, dans le profil trading, le club ne souhaite pas. Voilà, et je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est un joueur qui a 3-4 ans encore au top et qui, quand je dis top, c'est vraiment top de Ligue 1 euh, euh, pour le coup, TG Arrénier. Donc c'est un très très bon joueur qui, en plus, n'a pas encore prolongé et qui, euh, donc, qui est atteignable. Mais ouais, moi, c'est le profil que j'aimerais. J'adorerais, mais j'y crois peu. Je crois non, j'y crois peu parce que le club ne veut pas investir autant sur un genre de cet âge. Mais, mais c'est si dommage. J'adorerais, bien sûr. Parce que moi, qui qui n'aimerait pas TG pas J'ai une idée de... de, de de profil sportif Et de te dire Quelqu'un qui va porter à l'équipe Mais le club a une autre idée De vouloir faire des reventes Et de vouloir avoir une plus-value sur les, sur les livres quand Sur les, les livres comptables quoi. Après ah, alors... Aurel Mangala J'aimais bien sur le profil Parce qu'il il a cette polyvalence De pouvoir jouer 6 oui, un box-to-box C'est ouais. un box-to-box euh, Il a déjà été appelé Avec la Belgique c'est un joueur voilà, qui pareil a un bel avenir qui a à peu près le même âge que Bruno Guimaraes, donc il pourrait remplacer dans cette idée là puis ça parle beaucoup aussi de l'Algérien Zorgan. très bon joueur très bon joueur maintenant voilà une nouvelle fois oui, il y a un gros gap entre la Belgique et la Ligue 1 donc c'est difficile de juger si, si tu le veux recrut, savoir que... l'impact immédiat qu'il si avoir le recrutes pour remplacer Guimaraes, c'est que cette saison tu dis voilà on, on prépare la saison d'après exactement mais après en tant que sympathisant de l'Algérie Zorgan, j'aimerais bien euh, forcément Sympath... Sympath... peut sortir ton passeport hein, sympa pas forcément <laughs> Comment <laughs> Sympa, pas forcément. Sympa, hein, oui. ans, ouais. ans, ouais, mais oui. sympa. <laughs> Le chelso est une bonne idée pour remplacer Guy Marais. Je vous répondais non à 71%. Les copains, vous continuez à nous mettre un maximum de likes, à donner de la force au Winamax. SC. On va s'intéresser au cas Romain Fèvre. Avant de clore ce débat sur l'Olympique lyonnais, on vous laisse la cote en bas. C'est Lyon sur le podium à 4,50. Est-ce que Romain Fèvre... Regardez ses stats, parce qu'elles sont pas mal, ces stats à Romain Fèvre. Ouais. 7 buts, 5 passes décisives. Dans une équipe qui s'est réveillée brutalement, Brest, cette saison. ouais Ils ont enchaîné les victoires. À Marseille. Numéro 21. Et moi, c'est un numéro que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un numéro comme ça. Zidane à la Juve. Zidane à la Juve, Pirlo, David Silva. Le 13 et le 7. Le 13 et le 7. D'accord, ok. Pourquoi Non, il y a Comme ça, le 13 et le 7. 7 pour Cristiano, pour Raoul. J'aime bien, je mets le. Romain Orfev, numéro 21. Comme Ben Arfa, c'est joli. C'est joli, j'aime bien le 4. Ouais. Eh ben, euh, j'aime <laughs> bien le chiffre, c'est joli. Ben Arfa, 21 aussi. À Lille Il a pas ah, eu le 11. Non. Ah, c'est possible, mais il a fait le même de, de la gym que. Euh, à... à quel club À Lille, il est le je sais plus où, mais il avait dit 21, etc. C'était à Newcastle, Non, 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 quand il est revenu, il a dit oui, 21. Par rapport à l'équipe 21, j'aime beaucoup. Ah, mais lui, à chaque fois qu'il explique ses numéros, tu te rappelles pas quand il avait dit ça ah, Peut-être à Rennes, peut à, Rennes, alors. à Paris. C'était à Paris. Non, il avait le 4 à Paris. C'était à Paris, Paris qu'il avait le 21. Peut-être. Il n'avait pas je le pas. 4 à Paris Ou le 3 à 4 à un numéro de défenseur Je ne sais plus. C'était peut-être à Paris, ouais. Moi, je suis très nul en numéro. Ils vont peut peut-être nous le dire hein, dans le 21, Mais Paris, effectivement, ouais, le 21. à Paris. Effectivement, le 21 à Paris, Mérenguet nous dit. Moi, je le crois, Mérenguet. Ouais, c'était ça. Romain Febvre. Romain Fèvre, on vous pose la question. Vous répondez, vous tapez oui ou vous tapez non Romain Fèvre a l'idée, est-ce que c'est une idée Romain Fèvre à l'OL, est-ce que c'est une idée qui vous plaît J'aime beaucoup le joueur. Ouais. Beaucoup Romain Fèvre, beaucoup le joueur aussi. Euh... Et ça bon. fait longtemps que j'aime bien. Ouais, c'est pas faux. Euh, formé à Monaco, si ouais. je dis pas de bêtises. Najim. Alors là, c'est pas dans le profit pour remplacer Romain Fèvre. Exactement. Dans le... le joueur arrière droit. Un, ce fameux mercato <laughs> d'ajustement. Est-ce qu'il est peut ajuster quelque chose, Romain Fèvre C'est un peu euh, la piste euh, pour remplacer euh, Azmoun qui est pas venu quelque part. Parce qu'à ouais. la base, le plan A c'était Azmoun finalement. Pas le 9, hein, non plus. Hein. Hein. Comment C'est pas un 9, c'est pas le même profil. Après, Asmoul As joue véritablement un 9 Ouais, ouais. Ah, d'accord, ok. Un 9, je je 9, pense qu'il qu joue un peu plus bas. demi, 9, 9 et demi ah, mais c'est un attaquant. Ok, d'accord. Juste aller avec des mecs qui préparent l'émission. <laughs> non, mais non, mais non. Non, mais il y a peut-être en régie qui préparent l'émission. Je vais continuer de discuter, voir. On est là pour débattre, on est là pour Ouais, Pierre, tu veux. Merci beaucoup en tout cas de préparer l'émission. Non, mais pour revenir sur Roman Fèvre, très très important. Moi j'aime beaucoup Roman Fèvre. Apparemment, il y a des mecs. On l'a vu au niveau de ses statistiques buteur, passeur. C'est un joueur pareil qui connaît la Ligue 1 depuis un certain temps. Euh, capable de jouer numéro 10, capable de jouer à droite. Maintenant, moi, la, la, la vraie question que je me pose, c'est comment articuler tout ça Tu as déjà Paqueta, tu as déjà Aouar. Voilà, Je me pose des questions sur comment intégrer Roman Fèvre. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est possible, mais je me pose la question de savoir un peu comment l'intégrer. C'est intelligent le garçon. Capable. Je pense qu'il qu a une capacité d'adaptation. C'est un, un joueur intelligent, c'est un, un joueur qui est capable de combiner. Maintenant, on sait très bien que quand tu joues dans une équipe comme Brest, qui tourne véritablement autour de toi et que tu es recruté à l'Olympique Lyonnais et que du côté de l'Olympique Lyonnais, bah forcément tu vas avoir un petit peu moins de ballon, va falloir que tu trouves ta place, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a déjà eu beaucoup d'exemples à l'Olympique Lyonnais, je pense à Gourcuff, je pense à Martin Terrier, des joueurs qui avaient déjà réussi dans leur précédent club et qui ont eu un peu plus de difficultés lorsqu'ils sont, lorsqu sont arrivés à Lyon. Donc forcément voilà, je me pose quelques questions. Maintenant, je trouve que c'est une belle recrue. La seule question, c'est que je, voilà, est-ce qu'il va jouer numéro 10 Est-ce qu'il va jouer à droite Si Peter Bosch conserve ce système à trois défenseurs, bah, J'ai du mal à lui trouver une place, peut-être sur le côté droit, à voir. Alors ça serait peut-être plus aux alentours de 18 millions. Pour faire bonus compris, oui, c'est ça. Ouais, c'est faisait beaucoup. Hein. Ouais, Bien négocié. Faut, faut bah, quand arrive la fin, toute fin de Mercato, va euh, il va falloir qu'il dans qu un bon rendement quand même. Mais c'est une année ouais. qui te plaît, toi. Ça fait partie de ces joueurs un peu euh, tête comme ça. Moi, oui, bah, moi en fait. Belle déjà, qualité de pied, corner, phase arrêtée. Déjà la saison dernière, lorsque l'OL faisait d'ailleurs une bonne saison et que Romain Feff faisait une bonne saison aussi à Brest, euh, il était ciblé hein, déjà hein, par, par l'OL et par Juninho. Euh, il s'est avéré au final, en fin d'année, fin sans la League qu'il était trop cher quoi qu'il arrive. Mais l'OL, en manque d'ailier, il faut le dire depuis longtemps. Euh, même si Romain Fèvre est aussi un axial, mais il a la, il, il a la capacité de jouer ailier pour le coup pour un vrai ailier de percussion parce qu'il percute beaucoup balle au pied. C'est pas un joueur de profondeur, mais avec le ballon il va beaucoup percuter euh, mmh. en, faux, en fausse patte notamment à droite. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a une grosse qualité technique. Euh, il a une très belle patte. Euh, c'est un bon dribbleur. C'est un mec qui apporte de la percussion qui, et, et, et qui apporte un changement de rythme dont l'OL a besoin. Il va jouer ceci étant dans une zone où Paqueta aime jouer, c'est-à-dire cette espèce d'intervalle droit où il rentre sur son gauche. Donc euh, l'opportunité elle est peut-être de replacer Paquetta en 10, de mettre Fèvre à droite, et dans ce cas-là, quid de Toko Ekambi, quid d'Awar, Donc, changement de à système. Bah, en fait, justement, l'OL, euh, sur son renouveau, en tout cas statistique, en termes de points, joue sur un nouveau système, comme tu le sais, avec deux numéros 10, un 9, et, et défense à 3. Fèvre ne s'intègre pas là-dedans, ou alors il s'intègre ah, dans les numéros 10, mais dans un poste où il y a déjà... Avoir Paqueta. Ça. Donc, une concurrence, si tu amènes Fèvre, c'est pour le faire jouer, mais si tu amènes un joueur pour le faire jouer dans un endroit où l'OL avait déjà un surnom c'est inutile. Donc, Exactement. pour moi, ce recrutement, soit il amène un changement de, de, de système, soit, et c'est aussi plausible, c'est un recrutement qui n'a pas été fait de concert avec Peter Bosch, et ça démontre que le club ne compte pas sur Peter Bosch, et compte, dès que possible, et dès que la, une série arrive, s'en débarrasser. Donc, il y, y a deux choses différentes. Maintenant moi, j'aime beaucoup. Le je de, de, de Cherki, du coup. Ça peut euh, ouais, ça, ça mettre rajoute... un petit obstacle à sa progression. Bah, ça rajoute un joueur euh, MC20 ouais. Rouge sur Twitch et Bruno B2776. Merci pour vos commentaires. Like les copains. On envoie un maximum de pouces. On essaye d'aller chercher les. Les Quand, En plus, il y a la demi-finale du championnat d'Europe de handball en ce moment. Ouais. France. Imagine, euh... Elton, Mokolo, France Suède. Là. Suède. Mettra euh, devant. Oui, un... c'est vrai. Pour Cherki, c'est une difficulté. On ouais, a l'impression que c'est. C'est une difficulté. En plus, c'est un joueur qui rentre dans son, dans sa zone et dans son dans son domaine de jeu de percussion donc très clairement c'est une difficulté en plus en sachant que, que euh, les déclarations et en tout cas plutôt les, pas les déclarations parce qu'il n'a pas fait de déclaration lui-même mais les sorties médiatiques de ses conseillers n'ont pas forcément plu euh, donc euh, c'est une difficulté en plus à voir si sur la fin de Marc il va être prêté si c'est l'ambition du club de le prêter pourquoi une, pas idée. à Brest qui cherche son remplaçant euh, mais, euh, mais oui c'est très clairement pour Cherki, c'est pas une bonne nouvelle moi, je trouve que ce serait une bonne idée de le prêter, Cherki. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. on attend beaucoup de la part de Cherky. On parle encore d'un jeune joueur. Lorsqu'il rentre en cours de jeu, il est capable parfois de faire des différences, parfois il est un peu plus fantomatique. Je pense que voilà, tu fais un prêt de 6 mois dans un autre club de Ligue 1 où tu vas engranger des minutes, où tu vas prendre un petit peu plus de poids. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, il faut okay. trouver le bon club. Et le club dans lequel il va pouvoir avoir des minutes, surtout, ça c'est le plus important, et pouvoir s'exprimer avec le ballon. Très bien. Et ben voilà, on était complet, très complet, même sur le dossier euh, lyonnais. Vous êtes 70% à être séduit par l'idée de voir Romain Febvre rejoindre l'Olympique lyonnais. Merci d'avoir répondu. Continuez à nous mettre un maximum de likes aussi sur le live, évidemment. On donne de la force au Winamax FC. On n'est pas très loin des 100 likes. On y va, on envoie un maximum de pouces. Je veux voir le compteur grimper sous, sous mes yeux. J'en profite juste pour vous dire aussi, petite promo sur ce qui va arriver dans les jours à, à venir. Demain et dimanche, les journées du Winamax FC seront dédiées à la Coupe d'Afrique des Nations les quarts de finale ça commence demain donc 17h enfin 16h le magazine présenté par Romain avec Nabil et Nordine, les deux matchs seront commentés et donc le débrief à 22h des deux premiers quarts de finale rebelote dimanche dimanche le la match sera à 15h puisque Maroc-Égypte est à 16h et donc on aura le match du Sénégal à 20h on débriefera tout ça dans la foulée Yannis Semi. pour préciser juste pour. et tu seras là pour débriefer ces 4 quarts de finale exactement demain et après demain t'aimais les 4 pr... quarts en plus pour préciser pour fermer le, le chapitre euh, Lyon mm -hmm. euh, pour donner euh, bon, un, petit, un petit biscuit qui est, qui est une info le club a demandé euh, à Peter Boss d'intégrer euh, dans le groupe pro en tout cas le jeune Mohamed El qui est un milieu de terrain qui joue dans la zone qui n'a que 17 ans mais qui est très 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 doué euh, c'est un peu tôt évidemment mais en tout cas le club a fait, donné profil? la consigne Profil, euh, profil très technique, euh, un petit peu, j'ai envie de te dire, un mélange entre. Il a, il a un style, un mélange entre euh, Thiago Alcantara, euh, un petit peu de ce style-là, c'est-à-dire euh, jeu long, jeu court, très très fort, balle au pied, euh, mais à la fois pas très grande taille, mais très travailleur, très fort sur ses pieds. Un petit peu à la Verratti aussi, euh, ouais. si on peut aller dans le profil. Et le club a donné la consigne de, la met, de le mettre dans le groupe pro, et de l'ajouter dans le groupe pro. Maintenant, c'est un peu tôt quand même pour le voir jouer en, en première, mais on sent que le club veut déjà mettre en valeur un de ses actifs. C'est vrai que Sarah voilà. enfin Kennedy nous dit Nouveau Château, vous n'en parlez pas. C'est vrai que le choix de Newcastle pour Guimarães. Bah, moi, je disais tout à l'heure, moi j'ai une très haute estime de la qualité de Bruno Guimarães en tant que joueur. Je pense qu'il peut jouer dans les meilleurs clubs. Et, et évidemment, Newcastle a un gros projet, mais j'étais surpris qu'aucun autre club aille sur lui. Je sais que la Juve était intéressée, Arsenal mais la Juve était Voilà Je pense à Arsenal. Arsenal, mais, il ferait un bien fou. Ça ouais, un mais Arsenal n'était pas prêt à mettre autant. Voilà, Arsenal était surtout sur un œuf sur ce mercato. C'est ça. Et au final, vous, la Juve également... était intéressée. a aussi pris mis tout son argent sur Vlaovic. Euh, donc donc, euh, donc euh, moi je suis surpris qu'aucun autre club, mais c'est une très très belle prise. C'est la première grosse prise pour moi pour Newcastle parce que c'est un joueur qui a, le, qui a pour moi le profil top club. Donc que Newcastle le fasse, c'est la première très grosse prise et je, je vais être très curieux de voir, parce que, de je voir curieux ce qu'il va donner euh, à Newcastle et ce qu'ils vont donner aussi autour de lui avec un entraîneur qui pour le coup correspond à son style de jeu, qui aime le jeu. C'est vrai, Eddie Ho. Ça va être intéressant. Après, sur le choix de Bruno Guimaresch, on peut le comprendre. Quand en termes de salaire, on te propose 4 fois ton salaire. Forcément, ça fait réfléchir. Oui. On, va pas, on, va, on va pas se mentir. Et surtout quand le club te montre que l'atmosphère au club pour Guimarães ça lui montre que malheureusement, lui qui était attaché au club, puis, on fait partir du nino qui est le joueur, qui a, fin, la personne qui l'a fait amener, dont il était très proche. Et, on, et la première offre, on lui fait comprendre qu'il doit, qu doit partir, en tout cas qu'on veut bien qu'il parte. Voilà. Tu sais, les signaux montrés par le club n'étaient pas bons non plus hein, pour euh, Guimarães. Bien sûr. Donc euh, moi, je, je trouve que c'est compréhensible. Après, sur le plan sportif, ben, voilà. Il y a toujours ce risque de, de jouer la Championship la saison prochaine. Ouais, parce que a, Newcastle n'est pas encore en servi. Ils ont mis, c'est obligé. Très certainement. Enfin, Mais c'est un crève super pour, pour lui eux. Quand même de partir. Maintenant, maintenant voilà, tu rejoins un nouveau projet qui est très ambitieux. Ils ont déjà acheté Tripierre. On sait qu'ils sont intéressés par d'autres profils. Ils veulent absolument un défenseur central, Newcastle. Ça parlait notamment beaucoup de Diego Carlos, même si la piste est un peu plus refroidie ces dernières semaines. Ça parle aussi un peu de Lingard. Ils ont acheté Chris Wood. Bon, c'est. Pour se maintenir, de l'expérimenter première voilà. ligue pour se maintenir. C'est ça. Ils essayent surtout d'amener joueurs anglais, des joueurs qui ont qu on cette expérience première ligue pour pouvoir se maintenir, comme tu l'as dit, à Nice. Voilà. Moi, bon, en tout cas, j'ai hâte de le voir en première ligue. Les gens savent que je suis beaucoup la première ligue. Donc, j'ai ouais. envie de voir un petit peu comment il va se comporter là-dedans. Tu le disais, Arsenal était intéressé par, euh, par Bruno, malheureusement. C'était trop On cher pas. surtout qu'Arsenal, ils pas bougé. Ouais. recherchent surtout, c'est un plutôt un, une équipe. Ils il recherchent également un, un milieu <laughs> relayeur mais plus un milieu <laughs> relayeur qui va pouvoir rentrer dans la rotation. C'est pour ça qu'ils voulaient Arthur, ils le voulaient six pas mois. Arthur, ouais. Pas un titulaire indiscutable. Pas un titulaire indiscutable. ils voulaient Arthur de le la Juventus. Il n'est pas penché. Comment Il est pas penché. <rire> de... <rire> il est pas penché pourtant. Non non non. non mais... Il ne le voulait pas que le vendredi. Hein. Il le voulait vraiment ah ouais. <laughs> sur tous les deux jours de la <laughs> Ah mais c'est dommage pour Arsenal parce que pour le coup Guimarães aurait apporté un énorme J'aurais franchement j'aurais quelqu'un parlé de Manchester, j'aurais bien vu aussi là-bas United. En clos la page Lyonnaise. Merci. À vous les, les amis, continuez à donner de la force au Winamax FC. Là, place au terrain, on va rapidement balayer les coups du Mercato du jour, ou dire un peu plus. Euh, tout ça en un mot par nos consultants, on y va. Allez, place au terrain, les coups du Mercato en un jour. Je vais vous donner trois joueurs, il est quoi 20h47, ouais, bah, il ne nous reste pas longtemps. Je vais vous donner trois joueurs rapidement, tour de d'horizon avec vous de, euh, de ces trucs vous préparez vos, vos coups euh, en un mot on va commencer avec euh, avec adama traoré je vous pose la question les amis adama traoré de retour parce qu'il est, est de là bas hein, de retour au barça est ce que vous euh, comprenez ce choix adama traoré le joueur de Wolverhampton, qui serait donc euh, quasiment en partance pour euh, l'eFC Barcelone en un mot ça tu le résumerais comment cette transaction d'adama traoré au barça moi je dirais hasardeux ou au pif parce que j'ai l'impression que c'est un, un coup de fin de mercato, de ramener un ancien sur un prêt, euh, sur euh, peut-être quelque chose qui n'était pas une priorité, dans le sens où ils ont notamment déjà préféré Ferran Torres en ailier, euh, que évidemment il peut y avoir, ça peut peut-être aussi répondre, évidemment on imagine à Dembélé qui serait mis de côté, à la blessure de soufati euh, mais euh, je, en fait j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie réflexion sportive derrière tout ça quant à un fit avec le Bar FC Barcelone quand tu as un fit avec ce que veut Xavi et, et, et quand tu as une potentielle réussite derrière euh, après avoir recruté Ferran Torres donc j'ai l'impression que c'est hasardeux je ne dis pas que ça va être un flop euh, mais c'est un prêt et j'ai pas envie de dire de bêtises j'avais vu sans option d'achat non je crois que c'est avec, achat avec millions, option d'achat avec option d'achat de. De 30 millions, je crois. Okay. Après, avec une option d'achat, un joueur qui a certes une capacité de puissance et de percussion, mais qui en Angleterre a été euh, irrégulier, en tout cas au niveau statistique et au niveau. Euh, quelque, quand, quand on cherche du concret à la fin, on a souvent du mal avec lui. Donc j'ai l'impression que c'est un peu hasardeux, que c'est dans, dans la suite des moves un petit peu. Ah, tu sais, ce pas la même qualité ni le même profil de joueur, mais la Ligue de Jong de prendre un joueur en prêt pour. Euh, euh, compenser un trou en sachant qu'on n'a pas forcément d'autres idées ni les moyens donc c'est un peu hasardeux pour moi peut-être que ça va fonctionner parce qu'il a des capacités de percussion et que le Barça en a parfois besoin de vitesse et de percussion okay. l'a vu mais euh, voilà vous répondez Traoré au Barça est-ce que vous euh, comprenez il y a Temben dit euh, incompréhensible sur ce euh, transfert on va juste vous mettre euh, les stats de Traoré rapidement euh, cette saison Najim Adama Traoré au Barça en un mot ça t'inspire quoi moi je vais te dire curieux en fait curieux dans le sens où tu perds pas grand-chose finalement. Tu as un prêt, tu un prêt de six mois. Alors effectivement, il y a cette option d'achat qui est pas obligatoire, donc tu décides ou non de la lever même si je la trouve assez élevée. Maintenant voilà, moi je, je suis quand même assez curieux avec Adama Traoré parce que c'est un joueur quand même qui a des immenses qualités athlétiques. On se souvient notamment de, de sa saison euh, il y a je deux ans vu avec Wolverhampton. dans la Wolver cage Hampton. à l'UFC avant le match de Gann. <laughs> On se souvient notamment de sa saison il y a deux ans avec Wolverhampton, où notamment sur les six premiers mois, il avait été très très intéressant. Comme tu l'as dit, là, cette, cette capacité à déborder et à centrer, je me souviens notamment d'un match contre Tottenham, où il avait fait très mal sur le côté droit parce qu'il avait eu cette capacité à chaque fois à faire la même chose dix fois. Il faisait à chaque fois la même chose, mais à chaque fois ça passait et à chaque fois ça permettait à l'équipe de Wolverhampton de se, créer, de se créer des occasions. Donc j'ai envie de voir comment Adam Traoré Peut se marier avec entre guillemets le jeu de position de Chavi. Alors, ça va être difficile de le voir en quatre mois parce que ce sont des, des mécanismes qui peuvent prendre plus de temps. Mais je suis quand même curieux de voir si sur son côté droit, Adam Matraoré peut s'imposer. Qu'est-ce qu'il peut apporter Est-ce qu'il peut coller la ligne Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter dans la profondeur Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter par sa percussion Le Barça n'a pas grand-chose à perdre avec ce deal. Okay. À voir. Très bien. Curieux et euh, au pif. Hasard ouais. pour l'Américain. Et vous, vous êtes 55% à ne pas comprendre ce euh, transfert. Deuxième coup, on en parle beaucoup depuis, euh, depuis un petit moment. Et encore plus euh, aujourd'hui. C'est Tanguy Dombélé qui pourrait revenir en France et porter le maillot du Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris a besoin de Ndombele Vous répondez oui ou vous répondez euh, non Yanis, Ndombele à Paris En un mot Ouais. Prêtre Non, je ne sais pas. <laughs> non, euh, non, sérieusement. Euh... Euh, opportunité, ouais. opportunité. J'avais hésité euh, carrément avec bricolage parce que c'est quand même un joueur ou en tout cas un joueur de qualité et, et, et un poste, un secteur de jeu où le PSG a besoin de joueurs. Mais c'est un secteur de jeu où le PSG euh, aligne beaucoup de joueurs. Ils ont énormément de joueurs dans l'effectif. Ed euh, mêlé il est très intéressant par sa percussion et il va apporter un changement de rythme qui peut être très intéressant également, notamment sur les transitions du PSG, où c'est une équipe qui en Champions League aime jouer par les transitions. Mais d'un côté aussi, Ndombele mêlé est-ce que c'est ce dont le PSG a le plus besoin au milieu de terrain en termes de profil Parce que moi, j'imaginais plus, euh, pour soulager Verratti qui joue plus haut, un profil à la Thiago Motta. mais là, ça on va chercher dans la haute qualité, hein, évidemment. après il ne joue plus. C'est hein. euh, yeah, ça, ouais, ça ouais, difficile parce que Il est... le prendre, hein, mais je suis ouais, sûr qu'il qu qu en... J'ai vu qu'il était à Gênes, c'était... Ouais, ouais, il est à il est, ça ça est, est un peu compliqué. Ouais. Euh, mais mais euh, mais après, il va, évidemment, qu'il peut apprendre quelque chose. Mais je trouve que il peut Poles aussi. Non non, il n'est pas. <laughs> il n'est pas. J'aurais ça va nier si j'étais le PSG. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, bah, non, je trouve qu'il peut aussi accentuer les défauts du PSG, notamment son ballon et défensivement, parce que c'est pas le plus travailleur du monde. Euh, les entraîneurs différents successifs se sont cassés les dents dessus. Alors avoir un entraîneur aussi peu exigeant euh, que Pochettino et je parle de Pochettino PSG, qui je trouve pas exigeant parfois avec ses joueurs et qui est un peu passif. Euh, un entraîneur aussi peu exigeant que, que, que Pochettino euh, peut-être, va faire qu'il va pouvoir, comme avec Genesio, enchaîner les matchs et s'imposer. Mais euh, autant il peut apporter beaucoup, autant il peut accentuer les défauts de, de l'équipe. Jim Moi, je dirais très mitigé, plutôt dans, dans un sens même euh, assez négatif. Parce que, on parle quand même de transfert sec. Là, cette fois-ci, on ne parle pas de prêt concernant Guillaume Dombellé. Et sur le long terme, avec la possibilité de voir, par exemple, à Kylian Mbappé partir cet été. Euh, en sachant que Neymar a quand même, euh, bé, 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 je, parle, je parle pas du même poste hein, évidemment, mais on, on sent quand même que le Paris Saint-Germain va peut-être s'ouvrir sur une nouvelle ère un peu sur les prochaines années. Et je suis pas certain que Tanguy Ndombele est le joueur qui peut s'inscrire comme ça dans so, un collectif. So, C'était un transfert sec Pour moi, j'ai vu. Pour moi, c'est un prêt. Je... Je c'est pas certain. J'ai vu. un prêt, Ndombele. d'accord. C'est un prêt avec option D'accord, ok. Ah, bah, déjà, bon, ça change la donne. Minutes, mais... Ça change déjà, ça change un petit peu la donne. Mais en tout cas, là où je suis pas convaincu concernant Tanguy Ndombele, c'est que. C'est un joueur malheureusement qui est aussi souvent pointé du doigt pour son irrégularité. On l'a vu du côté de Tottenham où il a eu de belles périodes et des moins belles périodes. Et je trouve que au Paris Saint-Germain, c'est typiquement le joueur qu'il ne faut pas. Au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ce qui a besoin de PSG, c'est mmh. justement des joueurs fiables. Des, jeux, des, des, des joueurs, des joueurs pas, pas blessés, quoi. Des joueurs qui déjà ne vont pas se blesser. Des travailleurs au quotidien et impliqués. Exactement. Des cramps fainéants. Mais, mais c'est ça. J'aime beaucoup de joueurs. Hein, mais... Tu vois, Yannis, en disant ça, déjà, il a, il a résumé beaucoup de choses. C'est vrai que ça a été le cas dans tous ces clubs. Voilà. Est, on, il est considéré comme un joueur un peu fainéant. Euh, en plus, dans le contexte parisien que il nous connaissons, hein, voilà, il va Au être Berkai. à côté de chez lui, etc. Je suis pas certain que ça va être le meilleur environnement pour lui. Euh, je suis très, très, très mitigé par rapport à ce transfert. On est tous d'accord hein, sur les qualités individuelles d'Endon Bellé ah, euh, oui. voilà, On est tous d'accord pour dire que c'est un très, très bon joueur. On l'a tous vu du côté de l'Olympique lyonnais. On a tous vu ses bons matchs également du côté de Tottenham. Mais dans le contexte parisien, en sachant que le Paris Saint-Germain a besoin de joueurs fiables dans un secteur où il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés ces dernières années, mais qui n'ont pas convaincu, je suis très, très mitigé. Okay. Ouais. Non, non, non. Paris a-t-il besoin. De... Non, non, non. non, non, non. Non, non, Paris a il besoin d'un Vous répondez oui à 53%. Euh, Et euh, voilà, on va terminer avec un que je vous ai pas dit. On va vous mettre. Euh, je mettrai la. Pourquoi ça ne s'affiche pas cette cote Voilà, je la mettrai après. Mais euh, est-ce que. je on va vous la mettre maintenant. Est-ce que pour terminer dans le top 4 de Serie A, la Juve a forcément besoin de Vlaovic Ah oui. Ouais. Là, là, oui. en un mot oui en un mot Vlaovic euh, ouais, parce que la juve la juve ils ont des problèmes d'attaquant. Morata c'est pas suffisant désolé Romain Morata c'est pas suffisant ils ont perdu Chiesa sur six mois qui jouait, qui jouait souvent Axial un gros coup ça euh, derrière Caillot-Georget c'est jeune euh, donc, euh, donc euh, là ils prennent potentiellement le meilleur ou en tout cas le meilleur prospect en 9 Serie A euh, donc très clairement c'est un la fio euh, de la Fiorentina, oui, effectivement comme Chiesa, comme, comme, comme Bernard Deschis, donc ils vont souvent se servir là-bas. Euh, c'est un très très gros coup parce que c'était un joueur réclamé par toute l'Europe. Le Chico a fait des pieds et des mains pour l'avoir l'été dernier, Arsenal le voulait absolument, et au final on se demandait ce qui se tramait, pourquoi ils refusaient les appels, c'est parce que la Juve, qui au final on voit... 17 tout, buts Vlaovic La Juve a toujours une capacité d'attirer de, 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 les joueurs, parce que la Juve, dans une situation sportive très difficile, au final, on, ce qui se tramait derrière, c'est que la Juve était en contact avec l'agent et le joueur, qu'ils ont attendu fin janvier, et que dans leur stratégie, ils ont attendu fin janvier pour forcer la Fiorentina à leur vendre. Et, 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 et la Juve, qui est en difficulté économique, a eu un, un nouveau euh, a, a eu un regain de, de, économique de la part des actionnaires, a utilisé cet argent sur Vlaovic. Donc ils font un gros pari sur lui. Euh, le, le visage de leur renouveau, ça doit être Vlaovic. Et je trouve que, que oui, ils en ont besoin et que oui, ça peut être un gros coup. Parce que pour l'avoir vu jouer, euh, euh, j'ai pas vu tous les matchs de Lafio, mais sur ce que j'ai vu, moi je trouve que c'est un attaquant avec énormément de qualité. Il a beaucoup, ouais. physiquement et techniquement, c'est l'attaquant moderne, il est complet. Donc il y a beaucoup d'espoir en lui. Il peut concrétiser. Et en plus il peut, il peut être très complémentaire avec Dibala, Mais il peut concrétiser un renouveau offensif de la Juve Donc euh, ils ont besoin de lui Ok, Vlaovic à la Juve bah Moi ça m'embête un peu Ça m'embête un peu parce qu'il es est es annoncé es du côté d'Arsenal T'es plus dans le coup ah, Ça faisait deux mois qu'il répondait pas deux, aux appels ça fait, <laughs> deux fois, ça fait deux fois que la Juve Il hein. y avait Locatelli cet été qu'Arsenal euh, était un peu intéressé par le profil ouais. La Juve l'ont eu Et puis là Vlaovic Mais sinon non, on super recrue Surtout qu'il euh, y a un élément qui est, euh, qui est quand même très important C'est que fin de saison pour Chiesa quand même le meilleur joueur de la Juventus. Donc, si tu as envie d'avoir une chance de faire top 4 cette saison, il fallait que tu fasses un gros coup sur le mercato. Ils l'ont fait en recrutant, comme tu l'as dit, Yanis, le, le gros prospect en Italie. Je crois que c'est quoi 16 buts 16 buts il me semble 17 buts on avait vu ça ah, j'avais pas vu 17 buts donc pour euh, pour Vlaovic. on parle d'un joueur qui est voilà qui est très complet qui est capable d'un petit peu de tout faire sur le front de l'attaque okay. après il faut toujours s'en méfier parce qu'il y, y a déjà eu des euh, il y a Walid notamment qui me parlait de Piontek il y a quelques jours effectivement rappelez-vous ouais, mais... Piontek qui avait fait une in... ouais, ouais, immense ouais, ouais. six mois il avec peut Genoa il a pas autant de qualité que Vlahovic C'est ouais. surtout un renard je pense pas non plus je pense pas, ah, pas c'est un plus. vrai renard ouais c'est un fox de fox ah ouais. Ah ouais. Foxes. Foxes. bizarre qu'il ait pas signé à Leicester et donc voilà donc je il ils des chemises blanches <laughs> Donc, soyons quand même. Euh, comment dire Faisons quand même attention, mais je pense sincèrement, de, vue, de ce que j'ai vu, en tout cas concernant Vlaovic, qui peut faire passer clairement un cap à la Juventus sur le front de la Terre. Qu'est-ce qu'il y en a Yanis Non, Camigo m'a fait rire, mais c'est que le, le commentaire est un peu vrai. Il dit Pauvre, pauvre Vlaovic qui est passé d'une équipe joueuse, la Fiorentina qui joue bien, à une équipe d'Alegri. C'est vrai que. Mais il n'a pas besoin de beaucoup de munitions. Après, dommage qu'il y ait Massimiliano Allegri parce que, sincèrement, un trio Chiesa, Dybala, Vlaovic... C'est intéressant. Bah, est blessé. hyper en vie. Surtout Dybala. Que, que j'adore. mais euh, au milieu. Avec un Massimiliano Allegri, avec le jeu un peu restrictif de la Juventus. 1,50 bon. ouais. 50 la cote de la Juventus sur le euh, top 4. Et ben voilà, merci euh, à toutes les amis. On va terminer par le euh, traditionnel euh, quiz. N'hésitez pas à continuer à donner un maximum. Euh, de, de force au Winamax FC. C'est très important. Est-ce qu'on est arrivé au 100 likes Presque. Allez, on continue en embrassant un maximum de force, les amis. On va terminer avec euh, un petit quiz, tranquille, pour faire gagner des freebets. Le Cop Winamax, c'est parti. Donc Cop Winamax. Thomas, Thomas, il faut tout de suite qu'on clarifie la chose. Est-ce que ça fait non. perdre des points à Yanis si je gagne Non. Non. Ah euh, J'annule ma décision. C'est voilà, important de le dire au Winami. Donc je tue des gens au quiz pour, pour du beurre. En fait, non, je suis... non, mais non, pas pour du beurre. Je suis le petit enfant qu'on amène à la kermesse et on dit vas-y, tu jettes la boule. Au, au, au chamboule tout. Najim, 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 Najim. Mais tu ne gagnes pas la grosse peluche C'est ça Exactement. Il n'y a pas de peluche à gagner. Par contre, tu vois ce plateau ouais. Tu le vois Oui, il est pas mal. Hein. On peut rajouter tu vois, un truc comme ça. On peut en rajouter un ouais. ici et un là-bas. Bon. Moi, ce que je vais préparer. Ce qu'on va vous préparer régulièrement dans l'année, tac-tac, tu vois, il va y avoir des confrontations. J'espère bien. Équipe bleue, équipe rouge. Trois dégoûté. ici, trois ici. Je vous prépare des quiz. Là, tu as bon, déjà, que... tu... Là, déjà, ça m'intéresse. Je te propose de la préparation. Je veux te faire monter. Tu sais que le poulain okay. de mon petit frère. Je sais bien. Et je le salue. Tu sais que mon petit frère, il t'adore. Je le salue. Et ça, ça, ça me touche. Mon, mon petit frère t'adore. Merci il, à lui. Il, il pousse beaucoup pour que tu remportes ces quiz. Donc, bah, il y aura des beaucoup. choses. Complètement dingue. Je voulais vraiment le pro. Et alors, je vais partir là bientôt, Inch'Allah. Mais, euh, mais euh, peut-être déjà. Enfin, précise plus... que tu vas partir en voyage, parce que comme ça, on pourrait penser que tu oui, vas partir, du je pas partir, pas partir définitivement du du coup, coup. si voilà. oui, évidemment définitivement Mais euh, déjà, pour la canne peut qu'on va organiser un gros quiz. Je pense que Yannis sera très fort sur un quiz, un quiz Cannes. Je pense, aussi. Un, un je pense, un, un pense process, aussi. On va essayer de pré voilà, préparer des petites choses, mais on peut faire des belles choses on les quiz maintenant. Enfin, pas encore, mais ça va arriver. donc Merci à PQP qui me dit, Najim, t'es trop fort pour les quiz, ça me fait plaisir. C'est vrai, il a pas tort. Brésil-Lyon. Les Brésiliens à Lyon. Il n'y a pas eu de match brésilien sauf sur FIFA. Ouais, J'ai fait, j'ai fait, fait. J'aimais pas, moi. J'aimais pas du tout ça, les pays contre club. Ouais, c'est ridicule. Parce que tu peux jouer Neymar contre Neymar. C'est un peu nul. Allez, on y va. Trois réponses sur cette première question. Quels sont les trois Brésiliens, hors guimarèches, à avoir été vendus les plus chers par l'Olympique lyonnais Neymar. Neymar, Un point. Fred Non Edmilson Edmilson, troisième. Il manque le numéro 1. Ah, le numéro 1 carrément Bastos Mariano Non. Pas brésilien, Mariano. Ah oui, c'est vrai. Jean-Lucas Jean-Lucas, à Monaco. 2-1. Dominicain. Pour Yannis. Chacun son tour. 2-1 pour Yannis. Combien de buts On t'a été... son tour Ouais, c'est toi un. qui vas commencer okay. parce que tu mènes. On, on peut mettre le point, s'il vous plaît, Ray Ouais, super. Comme ça, tout le monde est au, au courant sur le chat. Combien de buts ont été marqués par des Brésiliens à l'Olympique lyonnais Total, tout brésilien confondu. Exactement. Tu donne un chiffre et Nagim donnera un nombre wow. et le plus près l'emporte. OK. C'est beaucoup hein. Combien de buts ont été marqués par des Brésiliens à l'Olympique lyonnais 220 220 Nagim, le plus près l'emporte. 250. 250 Ouais. 385. But marqué par un Brésilien ouais. à l'Olympique. était loin. Ah, t'as déjà Sonny Anderson, Junior ah, 60, 97, 94, Junior euh, Ah, 94. Ouais. Ouais, après, ah, si, il y avait Fred qui en a mis quand même. Ouais, Fred, il en a ah, mis quelques-uns. Ouais. Chris, t'as un grand buteur. Ouais. Bastos, il a mis. C'est vrai qu'il a fait des trucs ah, Bastos, 4 buts. Ah, si il a dû mettre ses pions. Paqueta ah, en vrai. a mis quelques-uns. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Point Najim, de partout. Réponse, le plus rapide, marque un point. Dans quel club signe Ederson à Père Lyon pas à Nice Non. Euh... Ederson, où est-ce qu'il signe Il signe Ici, il où Le coquin. L'ami International Non. Non. C'est un club européen, on regarde pas le chat. Fais confiance. Ah attends, attends, attends. Je serai intransigeant. Bravo à vous sur le chat. C'est pas en Angleterre mmh, Bonne réponse, c'est pas en Angleterre. Gênes, euh, ouais. Génois C'est dans ce pays. Ouais. Sampdoria Inter Là, Sampdoria. C'est pas ça. Euh... Euh... L'Oudinez L'Oudinez Mauvaise réponse de Najim. Cagliari, Fiorentina, non, non. Assez Milan, non. Attends, il a signé où déjà Attends. Empoli, non. Ah bah je sais pas. Kiev, Vérone, non, 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 non pas. Lazio, la Lazio. L'Adio. Oui, la Lazio. Roi de pour Les intrus. Il est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'idées. Pas très compliqué. J'ai joué. Je suis brésilien et j'ai joué 50 matchs avec l'Olympique lyonnais. La Jim, à toi de commencer il faut, il faut dire ceux qui ont joué les 50 Ceux qui 50 ont joué au moins 50 matchs. Il ne faut pas tomber sur ceux qui ont joué moins de 50 matchs. D'accord, ok. Je vais te dire uh, Kassapa. Kassapa. Tu penses qu'il a joué plus de 50 matchs avec Lyon mm -hmm. Oui, je pense. Ouais, c'est une bonne réponse. Yanis. Chris. Tu penses que Chris a joué plus de 50 matchs avec l'Olympique lyonnais Oui. C'est une bonne réponse. Je vais te dire uh, Edmilson. Sérieux, il n'a pas joué plus de 50 matchs à un moment, il était Ah. Et moi, je me fais avoir. rien sur... dit, moi. <laughs> il me met des feintes de, du visage. Je rentre dedans. Il me... <laughs> Anderson. Anderson. Ah, le Monsieur lire. Anderson. Surprise. Attention, tu fais bouger le pupitre. Désolé. Najim. Je vais te dire Raphaël. Raphaël. Pas dans sa caravane. <laughs> Bonne réponse. Bastos. Avec Bastos! <laughs> Traumatisme. Bon. C est c est beau, c'était beau. Bon. C'était génial. J'ai cassé une chaise ce soir-là. Hein? Sur le cinquième but, je prends une chaise et je la casse. ça euh... Je suis pas sûr sûr, mais je vais te dire, Fred. Fred! Il était là le piège. Oh, non. Non, euh, non, non il pas piège. Ah, d'accord. <laughs> eh ouais. Si je l'ai mis, c'est qu'il n'y a pas de piège. Là, là, les taux se resserrent. Il y a combien d'entre eux déjà? Quatre. Il y en a quatre hein, quand même. Quatre. Euh... Et si on prenait des risques dans la vie Non. Non, tu perds. Bah, pas nécessairement. Et bah, tu sais quoi, je vais prendre un risque. Non, je vais pas prendre de risque. Je <laughs> vais. Je vais te dire Santos. Fabio Santos. Ah, oh, j'ai voulu prendre un risque. J'aurais oui. pas dû. Yanis, pour marquer deux points, il faut conclure. Euh, Thiago Mendes. -ce que dit Thiago Mendes a joué 50 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Les quatre intrus étaient Nilmar, ah, longtemps, Elbert Fabio Santos et Jean-Luc. Il, il est parti parce qu'il s'était battu physiquement avec Claude Puel dans le vestiaire. Paqueta était une bonne réponse. Il, il s'était battu avec Claude Puel. 5-2 pour Yanis. Quel a été le deuxième club européen de Nilmar Villarreal. PSV. Villarreal. Oh. PSV, la plus, pénaline grosse... pénaline <laughs> la plus grosse victoire de Juninho à l'OL était un 8-1 face au Mans. Yes. C'est en 2006. Oui. Quel est le seul joueur champion de France présent sur la feuille de match côté Manso Chris, Tullio lui Tullio Demelo avec Lille Il n'était pas là. Ah Gervigno, avec Lille. Il n'était pas là. Au bacha attends. avec Lille. Il n'était pas là. Frère, Lille ils ont pris tout... <laughs> Attends, c'est un champion euh, de France Pellé. qui jouait avec Le Mans, c'est ça Oui, mais non, qui a, été, qui, qui, a, qui a été ou qui est… Qui il a été champion de France après Le Mans Après Le Mans. Ok. Euh... Je, vais, je, vais, je vais vérifier parce que je crois que j'ai oublié Tullio de Melo. Ouais, ouais, il était là Il y, y a De Melo, et Gervinho qui étaient à, à Sessegnon. Non. non, Romaric. Lyon, Le Mans, attends… Romaric, ah. Sessegnon. Yoann Pelé. Marie, France. Il n'a oh, pas, pas été champion de France. Hein. Laurent Bonnard. Avec Laurent Lohéen. Bonnard. Ah, je avec cherchais Lohéen. en plus à Marseille. C'était sûr que c'était un mec qui était porté à Marseille. Il était là, Demelo. Demelo n'était pas là. Il était pas là. C'était graffité devant. J'aurais pu très bien me dire, mais lui, il n'est pas champion de France. En fait, il l'a eu. Avec Lille. Ouais. Avec Lille, il ouais, ouais. est quel est l'entraîneur qui a le plus coaché Sonny Anderson dans sa carrière Entraîneur à Lyon Dans sa carrière en général Carrière, c'est dans sa carrière. Une carrière. La carrière. La carrière. Lunettes. Ah, c'est dur parce qu'il a. Santini Non Deuxième, Jaco. Ah, Jaco, deuxième. C'était qui déjà à ses débuts à Lyon C'est pas à Lyon. Ah, c'est pas à Lyon. Ouais. C'est à Marseille. C'est pas à Marseille C'est à Monaco. C'est à Monaco. Ah, c'était euh, qui à Monaco C'est. Euh, Mémé Jacquet. Non, c'était. Euh, <laughs> Puel. Euh, non. Wenger. Il a pas joué avec Puel d'ailleurs D'ailleurs, j'ai vu le doc de Wenger. Il est lourd Pas mal. Je regarderai. Attends, Monaco je sais qui, pas, je je sais sais pas qu qui c'est. Il a l l entraîné ouais. d'autres clubs en France. Je connais les en entraîneurs de Monaco, c'est cette période. Euh, grand joueur de football. Euh, Emmanuel Petit. <laughs> attends, 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 je, je connais. Il <laughs> <les entraînés rire> <t> a <'as> marqué <laughs> une génération du football français. Tigana. Jean... Mais oui, Jean Tigana. Tigana. Tigana Gentil Gana Mais oui, c'est logique. Gana Gaillet. Qui a entraîné l'OL d'ailleurs aussi. Qui a entraîné l'OL. Il a entraîné l'OL, il a joué à l'OL, il a entraîné Bordeaux, ça, qui a entraîné beaucoup de clubs. C'est pour ça. Ah, D'où l'indice, il a joué dans... Enfin, il a un bel indice. Merci à vous, merci à je peux plus revenir. Merci. Euh, non, au bout d'un euh... moment, tu te fais quand même salir depuis le début du quiz. Mais je le laissais de l'avance <laughs> Ouais, 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 ok. Mais au bout Je ne moment... peux pas revenir là. là tu peux, enfin, tu pourras revenir dans... Là, il a gagné Tu pourras revenir en plateau Ah oui, Et non, mais euh... pour salir Walid, c'est facile. Mais après, là, on est sur un niveau... Je crois qu'en fait, j'ai encore besoin d'entraînement, en fait. Ouais, c'est pour ça. Non, ah, ouais. mais là, tu étais sur l'OL contre moi aussi. Ouais. Il y a pas tort. Je suis dégoûté. Si c'était si sur Arsenal, tu m'aurais spécialité, comme dans... vas j'aimerais bien faire un truc je comme, un ça. Un comme un le bon quiz bon des, bon des hein le quiz des animateurs tu sais comme ça bonne réponse tu vois les ah, trucs Ah, ça c'est euh... incroyable. Faudra, en fait il faudrait qu'on fasse des quiz Winamax mais avec des petites parenthèses. En fait, des Unamax, des petites parenthèses. un nouveau plateau du coup comme les Ou un <rire> peu plus <laughs> ouais faudrait <laughs> changer de plateau faudrait qu'on en qu construise c est c est un dans la rue mais tu vois avec des en face il y a du foot certes un petit peu de culture j'ai un peu gastronomie voyage j'ai perdu Walid non mais tu un peu genre tu mets plus de points si tu fais un peu de ça peut être cool moi j'aime bien et ma mind ça c'est une idée que t'as depuis un certain temps tu m'en avais je crois déjà parlé il y a quelques mois tu avec les les quiz sa spécialité tu vois ouais, quoi mais, quoi. Je sais, mais oui comme dans popcorn time c'est une émission je ne regarde pas ils, parce font que, ils font du très bon boulot apparemment mais ouais, je... ils, font, ils font ce genre de trucs avec des thèmes spécifiques aux personnes vous genre... ouais. avez déjà fait quand même un quiz ça vous demandé toutes vos spécificités avant un quiz oui mais genre culture à changé en plus non mais ça peut être à euh... réfléchir ouais. ah, ah les là. amis rendez-vous demain gros journée canne dimanche aussi et lundi je l'ai pas dit le chat a disparu, lundi émission à quelle heure lundi à quelle heure du moins À 23h. Parce qu'on va vivre la fin du Mercato en live ah ouais non. dans le Winama. Eh, eh, Ce, Ce Il y, aura qui un... qui, y a le chrono dans l'écran. Oh il y aura ah. chrono. <laughs> Est-ce qu'il y aura le tic-tac de Scheringer Il y aura le tic-tac. Il, aura... ouais. il, tic il y aura une alerte rouge dès qu'il y aura un transfert. Ça on va revenir sur des coups vintage aussi. Qui des fêtes à la dernière minute Ce sera qui euh, sur le plateau Sur les trois. Bug euh, Sofiane qui sera de retour. Geoffroy Gartier, le, <laughs> le footballogue. <rire> <rire> ce que Fernando Torres n'a pas été un panic-boy d'ailleurs Il y aura, euh, aura Wally et Elton et moi-même. On sera quatre ah, autour de pas. ce plateau. Donc, ah, oui. euh, donc voilà, grosse soirée lundi soir. Ah, quelque on chose va tester. Ouais, on va tester. Bien. Soirée spéciale Mercato. J'aime bien, j'aime bien. Gros bisous. À demain, 16h. Avec Romain B2 pour ciao. le retour de la canne dans le Minamax FC. Ciao Ciao, ciao, ciao.